Pas Selma. Non, pas Selma. Non, non, pas Selma. Pas Selma. Pas Selma. Pas Selma. Non, 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 pas Selma. Endgame qu'ils pouvaient trouver. Pourquoi ils ont pris celui-là? Je relève le défi. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont venus me voir aujourd'hui. Ah putain de putain de putain, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui! Ils l'ont fait! Ils l'ont putain de fait! Ils ont rajouté un putain de niveau! À l'event de Selmax! J'ai pas envie. Je vous le dis, j'ai pas envie. Alors, bon. On va y aller étape par étape. Je vous garantis pas que je vais garder ma santé mentale à la fin, d'accord? Notamment sur une putain de mission, on va aller voir ça tout de suite. Bonjour. Alors, évidemment. Oui, ils ont rajouté un niveau à cet event de merde. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, cet event est apparu il y a presque 2 ans. Oui, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et il en a traumatisé plus d'un. Vous comprendrez bien que je m'inclus dedans. Parce que il faut bien se rendre compte. On va aller voir ça. Hein. Mais à l'époque, on va aller voir. Hein. On peut se dire, oh, ça va, regarde. 200k à l'auto, franchement. Enfin, 200k à l'aspect. Oh, ça va. Tranquille. Puis en plus, bon, les unités maintenant, elles stackent la défense à l'infini. Ça va, tranquille, tu vois. Oui, sauf que derrière, la SP, elle est à 1,8 million. Ouais. Et il peut le faire 2 fois par tour. Je rappelle, à l'époque, il n'y avait pas autant de défense qu'aujourd'hui. Autant vous dire qu'à l'époque, il y a très peu de gens qui l'ont passé, ce putain de niveau. Et encore, pour ceux qui avaient les ressources pour le faire. Parce que pour le coup, si t'avais pas les LR des 7 ans, mais tu pouvais te brosser, copain. Tu pouvais te brosser. Alors évidemment, bon, avec les millions de téléchargements qui sont juste derrière, c'était quand même un chouïa plus facile. Mais vraiment un chouïa. Parce que c'était toujours la même purge. Mais enfin bon, ça c'est pas grave. Mais ils ont eu la bonne idée... Ils ont eu la bonne idée, vu qu'ils se sont dit, on vient de sortir un Gohan Beast. Quoi de mieux ? Mais quoi de mieux que de rajouter un niveau ? Je vais me pendre. Je vais me pendre ! Parce que regardez, autant, premier niveau, tu pouvais stacker un petit peu. Tu vois, au début, tu te dis, ça va, c'est tranquille. Je vais stacker un petit peu, comme ça, bon. On verra comment ça se passe. Là, le deuxième niveau, va te faire foutre. Va te faire foutre. Une seule phase, donc tu peux pas stacker. Et en plus, 300 millions de PV. 300 millions de PV. $5 millions de défense. 2,8 millions l'aspect.
et l'auto à 1 million. Bien sûr, bien sûr. Réduction des gains de 70%. Oui. Et réduit de 30% les dégâts reçus par les types agis. J'ai pas envie. Au secours. Bon. Alors. On va y aller étape par étape. On va aller voir les missions, parce que oui, il y a des missions, évidemment. Parce que sinon, c'est pas drôle. Le niveau 2, il est là. Le niveau 2 de Selmax. Alors évidemment, tu le termines une fois, tu as le wallpaper super-héros. Ok, super. Bon, jusque-là, bon, ça peut aller. On va le voir après, ça peut le faire. Et là, par contre, ça va tout de suite être un peu moins drôle. Réussir avec une team Rainbow, super. Bon, après, ça, c'est pas très très compliqué. Entre guillemets, il faut avoir les bonnes unités. Mais ça va, c'est pas trop compliqué quand tu les as. Terminer en 6 tours ou moins, déjà, tu te fous un peu de ma gueule. Parce que je rappelle un truc. 300 millions de PV, 5 millions de défense, réduction de dégâts 70%. Et réduction de 30% en plus pour les types agis. Autant vous dire qu'ils vont presque rien taper. Mais alors, surtout, la grosse purge. Mais alors, je le dis, la grosse purge que c'est. C'est ici. Réussir le niveau avec une team Rainbow extrême. Je vous le dis d'entrée de jeu, je vous spoil. Ça va se jouer à la chance. Ça se joue pas au skill, ça se joue à la chance. Vraiment. Vraiment de chez vraiment. Vous allez le voir de toute façon dans la game. Ça s'est joué à un fil de cul. Alors vraiment, ça s'est joué à un fil du cul. Bon, écoutez, on va y aller étape par étape. On va déjà finir. Essayez de finir le niveau en 6 tours ou moins avec une team Rainbow super. Et après, on verra les autres. C'est parti pour l'enfer. Si possible, la mission moins de 6 tours. Là, vu le start, en vrai, il y a moyen de moyenner. Alors, là, déjà, Gohan Beast. Bon, bah là, déjà, je peux te dire, on est tranquille. Là, c'est vraiment le duo boulot qui veut me... Voilà. Après, je me souviens plus. Il fait quoi, lui? Ah, c'est ça. C'est diminuer l'attaque et la def. Ok. On va le garder pour le tour 3. Allez, on va essayer de le garder pour le tour 3. Parce que là, vraiment, ça va se jouer à la limite de la limite. Là, vu qu'on a Migatetek en tour 2, il va se transformer tour 6. Ouais, c'est ça, tour 6. Donc, vraiment la limite. Donc, il faut qu'on le tue au tour 6. Il faut que tour 6, on tue. Mais là, tour 6, on va mettre la sauce. On va mettre la sauce, mon gars. 2, 3, 4... Ouais. Ah, déjà, on lui fait pas mal, franchement. 12 millions, sachant que là, il y a 4 Rainbow. Il y a moyen de faire quelque chose de correct. Ok. Ah non. Non, je veux pas. Mais non. Non mais frère, s'il te plaît, au bout d'un moment. Merde. Bon, alors, Migaté.
Bon, déjà, esquive garantie, on prend. On prend. Ok. 18 millions d'entrées de jeu. Vous allez, mais de toute façon, vous allez voir. Mais là, ce que j'ai prévu. Ouf. Oh là là. Oh là 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 là. Là, il est pas prêt, le pauvre. Là, il est pas prêt. Je vous le dis, il est pas prêt. Forcément, évidemment. Bon, Migatetech. 12, enfin 11 millions. Ça va, c'est correct. Il est 100% après. Hein. Après, c'est ça le truc, c'est que là, je suis en train de tester Migaté 100%. Dites-vous que là, tu peux enlever, aller à minima 2 millions sur le compteur, tu vois. Donc, c'est ça aussi que je dis, c'est que la première phase, elle est pas... Ah, tu te fais toucher, tu le sens, quoi. Et puis, ça t'a pas super fort, mais par contre, quand il se transformait... Ah, ça devient une machine de guerre. De toute façon, vous l'avez vu. Hein. Vous l'avez vu sur la blue zone. Hein. C'est une machine de guerre, le bordel. Vraiment. Gogeta, tu fais le travail, mon gars. Mon Gogeta qui fait le travail. Hein. Un doublon, mais quand même. On prend. Ok, ça je prends vraiment, parce que là pour le coup les stats de def, je prends. Surtout les trois premiers tours là, je prends. Vraiment. Après j'ai Louis. Et après, personne n'est obligé de savoir. Vous savez quoi? On va claquer Louis maintenant. Et je vais garder le stand-by pour plus tard. Là juste je... Je set up vraiment pour le tour 6. Ouais, c'est vraiment le tour 6 où je veux set up. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Déjà, on est pas mal. Hein. Déjà, on est pas mal, j'ai envie de te dire. On est pas mal. Je dis on est pas mal, mais... là, il faut vraiment que... Je sais pas comment dire. Faut vraiment que Migaté là, se touche pas, quoi. Si Migaté se touche pas, on finit en 6 tours. Si Migaté se touche pas, on finit en 6 tours. Après, on verra bien. Sans il est à côté de Migaté Tech. Donc, on verra. Mais là, pour l'instant, on lui descend bien sa vie. Là, le but, ça va être de le mettre mid-life au tour 6. Tour 6, faut qu'il soit mid-life. Et là, on a peut-être une chance de lui descendre la moitié de ses PV. On a peut-être une chance. Eh bien, une chance. Mais bon, on a vu comment ça avance, à mon avis. Il y a moyen de moyenner, j'ai envie de te dire. Il y a moyen de moyenner. En fait, ce que j'adore avec le kit de Migaté Agi, c'est qu'il stack sa défense sur l'esquive. Sauf que vu qu'il a l'esquive garantie à sa première apparition, bah, sur le plus souvent du temps, tu max la défense au premier tour. C'est super. C'est super fort. Et c'est super bien pensé de leur part. Vraiment. C'est super bien pensé. Hein. Heureusement que c'est le max désactive pas l'esquive. Hein. Oh. Ah bah le truc il serait impossible. Le truc serait littéralement impossible. Vraiment. Là par contre c'est chiant. Là par contre, je t'avoue que là je suis pas serein. Hein. Là, je t'avoue que je suis pas serein. J'ai 40% réduction, mais... J'ai 40% plus 4. 28, ça fait 68. On va le tenter, mais j'espère que je meurs pas. J'espère que je meurs pas ici, parce que ce serait quand même bête. Là pour le coup c'est vrai que ce serait un peu con. C'est vrai que ce serait un peu con. Là l'idée c'est que le tour d'après je stand-by. J'active avec Beast. Et là le tour d'après bah, je vais activer avec Migaté Tech. J'ai le terrain, j'ai l'esquive. Et comment dire. Et puis bah on envoie la sauce quoi. Oh l'aspect qui tombe ici. Non bah c'est bon.
Si l'aspect tombait à la fin, j'aurais dit ah là là. Mais là, c'est bon. Là, on tanque les autos sans broncher. On va les tanker sans broncher. Donc là, à mon avis, on sera setup pour. On sera setup pour le tour 6. Toi, par contre, tu te touches pas comme tout à l'heure. Je te jure, tu te touches comme tout à l'heure. Je te jure, je te bute. Ok. Ah non. Mais t'es sérieux? Mais quoi? Mais putain, mais. Mais grande chance de spé, la grand-mère la pute! Mais c'est pas vrai! Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je me tape quoi là comme luck là? C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous jure, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est un truc de barge. Par contre, il y a un peu trop de sphère de Kirembo pour moi. Il y en a un peu trop, je t'avoue. Toi, tu te touches pas, c'est pareil. Toi, tu te touches pas. Si tu peux faire 2-3 sp, ça m'arrangerait. Faut qu'on avance un peu là parce que. Parce que là, à mon avis, ça va être un peu chaud en axe du slip. Ça va être chaud en axe du slip. Ok. Heureusement que les essais sont pas limités. Hein. Heureusement que c'est pas comme la red zone ou la blue zone où c'est limité. Hein. Là, on peut y aller quoi. On peut y aller tranquille, mais bon. Eh, fait chier quand même quoi. La quadruple, j'aime bien. Je prends. Je prends la quadruple, y a pas de souci. Ok. Ok. Si on peut lui enlever une cinquième barre de vie, moi j'aime, ça m'arrange. Ouais, oh, si large. Ok. 4 barres de vie à enlever. En un tour, c'est jouable. En un tour, c'est jouable. Avec les contres du tech. Avec les contres du tech et surtout la grosse attaque que je compte faire. Ouais, si, si. Si, si, c'est carrément faisable. Si, si, c'est carrément faisable. Millions. Critique. Pareil. Ouais, ok, 4 barres à enlever. En vrai, c'est jouable. C'est grave jouable. C'est même presque fait en fait. Hein. J'y repense, mais. Avec les comptes de Migaté, ouais, si, si, c'est peut-être presque fait en fait. Donc, le moment de vérité. Le moment de vérité. On fait pas la connerie, on fait d'abord ça. Voilà. On fait l'actif de Migaté AJ. À 10 millions. Ici. Je vais essayer d'enlever un peu de sphère de Kirembo. Et là. Et là, par contre, va pas falloir qu'on. Oh putain, ça commence mal. Oh, ça va. Ça va, mais il aurait pas fallu moins. Il a pas fallu moins. Puis là, on y va. On y va. On y va. Je sais pas si ça se cumule. Pas mal du tout. Je sais pas si ça se cumule, mais on verra. Bon, bah c'est parti. Bon, l'esquive, hein, évidemment. L'esquive. Là, les contres, ils vont faire très, 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 très mal. Bon, là, évidemment, avant l'attaque, non. S'il crit pas, c'est sûr, mais. Mais ouais. Voilà. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Voilà. Ok. Ok. Ok.
Avec un peu de chance... Avec un peu de chance, ça va le faire. Hein. 22 millions... Alors si tu peux triple... Triple SP, ça m'arrangerait. Comme ça, t'es contre. La doublette. Peut-être la triplette. Hein. S'il y a la triplette, on est bien. S'il y a la triplette, on est bien. Waouh. Oh là 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 là, la triplette. Ok. Alors là, là les comptes, les enfants, à mon avis, on va voir flou. Là, avec les contres, on va voir flou. Je vous le dis. Le contre à 10 millions. Oh non, crit, s'il te plaît, fais pas ça. Faut que tu crit, là. Ok, 17 millions le crit. Et là, par contre... 56 millions. Ok, le 6 tours. C'est parti. Oh là là là. Et j'ai pas pris full plateau. J'ai pas pris full plateau. J'ai pas pris full plateau. Ok. Selmax. Selmax, 6 tours au moins. Parfait. C'est nickel. On est bien. On est bien. On est bien. Eh ben allez, c'est parti. Donc, Rainbow Super et 6 tours en moins, c'est bon. Maintenant, il reste plus que... la grosse purge. Allez, c'est parti. Ok. Oh là 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 là. Ça avance pas, ça avance pas, putain. Ouais. Ah, vas-y, je suis obligé. Je suis obligé, putain. C'est un truc de fou. J'ai de la réduction de partout, mais je suis obligé à cause de ce connard de bout de merde. Ça me saoule, je vous jure, ça me saoule. Mais là, normalement, je peux lui debuff l'attaque et la def. Ok. Là, faut vraiment lui debuff pour que... Bah, que Super Boost soit plus un problème, quoi. Parce que là, vraiment, c'est un casse-couille de service, mais c'est un truc de fou. C'est un casse-couille de service. Regardez ça. Il est 100%, non, il est 90%, je crois, le mien, mais quand même, quoi. Putain. Bon. Ok. C'est parti. Alors. Déjà. Ok. On met ça là. Donc là, tac. Et là, tac. Ok. Ouais, 19, c'est... Ouais. 2 rainbow, 17 bleu. Ah, vas-y, hein. Vas-y. Bon, toi... Ah, putain. Fais chier. Putain, y a pas une sphère de... Y a pas une sphère... Y'a pas une sphère pu qui traîne, moi, merde. Après, je récupère 6 sphères, déjà. Enfin, j'en récupère 7. Et toi, tu pars en spé ultime, mais ouais. Bon, bah, on va voir les dégâts, hein. On a combien, là? À 45 millions. 45 millions, mais vu qu'il est réduit de plus de... Oh, plus de 80%, voire 90%, bah, vas-y, c'est bon. Mais ça va jamais passer en fait. Attends, mais si ça, ça fait que ça, mais je vais jamais passer en fait. Waouh, 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 waouh. Non, mais c'est mort en fait. non, mais qu'est-ce que je fais là? Non, mais c'est quoi ça? C'est. What the fuck? Bah ouais. Bah je le descends, mais. Mais pas assez vite. Là, le problème, c'est que c'est pas assez vite, hein. Enfin, là, pour le coup, ça va vraiment pas assez vite. Oh non, putain, l'auto, t'es sérieux? Oh, l'aspect. De toute façon, là... Ouais, voilà, je prends rien. 23 millions, quand même. Si tu peux crit, moi, ça m'arrange. Ok.
Tu fais chier. Mais bon, il débuff sur la première, donc je prends. Je prends. Oh, ok, ça... Ok, bon, c'est déjà ça de pris. Double debuff. Reste à savoir si sur les autres tours, ça passerait ou pas. Oh là, 27 millions. Après, moi, je suis en train de repenser. Oui, je lui augmente sa défense à lui aussi. Mais si on crit, bah c'est pas grave, puisqu'on ignore la défense. Tu vois, comme là. En fait, là, le but du jeu, ça va être de crit tout le temps, en fait. Voilà, je peux y aller. Là, je peux y aller. Là, de toute façon, Gata, il est à 40% de réduction, mais quand même, quoi. Là, je peux y aller. Oui. 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 Ah oui, oula, oula, pff, à 11 millions, mais quand même, quoi, ouf, oh, ça fait mal, ça, oh, Dieu, que ça fait mal, oh, putain, ouais, ok, ok, le double debuff, je prends, et en plus, avec Gatai derrière qui va debuff encore. Ah putain, il y a moyen qu'il tape plus rien là. À part sur l'aspect, mais s'il faut, je peux tanker l'aspect avec tout le monde sauf Bou. Je peux tanker l'aspect avec tout le monde sauf Bou, donc les autos, à mon avis, ce sera plus un problème. Et te dire heureusement. Ok. Ok. Ouais, bah forcément. Forcément que ça allait être Gotenks. Bah oui, oui, oui. Bah oui, oui. Non, mais c'était sûr. Après, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passerait? Ouais. Bon, attends. Ça. Il y en a combien là? Putain, il y en a 5. Puis j'ai plus d'item. J'ai plus d'item. Advienne que pourra. L'aspect qui tombe là. Ouais, ouais. Bah, vu que je lui débuffe l'attaque. Oh là là, putain. Oh la vache, quoi. Putain. Ah là, faut crit. Là, t'as pas le choix, faut que tu crit. Yes. Faut que tu crites. Bah attends, le tour d'après, j'ai qui? J'ai Rosé. Ah, putain, avec Rosé, ça pourrait peut-être passer nickel, mais... Faudrait que j'ultime avec Rosé, puis normalement, les auto-attaques, ce sera pas un problème. Eh bien, normalement. Ça pourrait peut-être passer, mais... Pour l'instant, là, le Broly, il fait le taf, hein. Ah, putain, dommage. Ah, dommage. Dommage, dommage, mais... C'est quand même un bon tour. 10 millions, ouais. Ouais. Ok, le crit. Le crit qui fait plaise. Encore un debuff. Putain, avec le debuff, ça se trouve, ça pourrait passer, hein. Putain, faites que ça passe, quoi. Ok, ok. Là, normalement, avec le double debuff comme ça, ça passe. Normalement, ça passe. 8 millions 3, ok. Ok. Ouais. Ok. J'avais oublié, mais tu peux lui bloquer l'aspect. Ok. Ok, ok.
Là, faut vraiment pas se planter. Bon, déjà, j'active avec Golden, déjà. Et puis, Ah, vas-y, tu sais quoi, je fais le mode rage. Je lui fais son mode rage. Ça me permet de gagner... Ça me permet de gratter un peu. Vas-y. Ok. Ok, le critique. Bah, de toute façon, c'est pas avec lui que je vais le terminer, ça c'est clair, mais... Si je peux gratter au moins quelque chose, bah là pour le coup, ça m'arrangerait, quoi. Parce que là, s'il faut... Là, s'il faut, ce tour-là, je peux tanker les autos. Les autos, ce sera pas un problème. Parce que vu que l'aspect est bloqué, c'est sûr. C'est le tour d'après. Attends, je suis à combien de pourcents de PV, là? Je suis à combien de pourcents, là? Parce que s'il faut, je peux avoir le... Je peux avoir le plateau entier avec Broly Endurance. Je suis à combien, là? Je suis à 11%. Bah oui, c'est bon. C'est bon. Attends, si mes calculs sont... Ou si, on est à... Ouais. Ok. Ouais, je vais plutôt mettre Gatai. Ok. Mettre ça là. Puis Golden, voilà. Normalement, si mes calculs sont bons... Si mes calculs sont bons... Le tour d'après, j'ai le passif de Broly Endurance. J'ai le plateau entier. Du coup, je peux esquiver. Et derrière, vu que j'ai mon autre Broly... Vu que j'ai mon Broly à moi qui va se transformer, j'aurai toujours le terrain. Et je pourrais sûrement... Ah, si il faut, c'est win. Oh, putain, si c'est win. Mais c'est incroyable. Si c'est win. Ok, 6 millions. Ok. Donc là, le terrain qui serait désactivé, mais c'est pas grave. Ok, j'ai le passif. Je transforme Broly. J'ai le Dokkan Mode en plus. Putain, j'ai le Dokkan Mode. Putain, attends. Broly, tiens. Toi devant, tu prends ça. Je suis full vie. Toi, tu prends... Ouais. Tu prends ça. Ouais, vas-y. Ouais, c'est le mien qui a le plus de défense. Et puis derrière... Attends, pour le Dokkan Mode. Ok, c'est bon. Attendez, je me concentre. Tac, tac. Putain. Ok. Je suis à combien là? 37 millions. Si je crit, c'est bon. Mais après, c'est pas grave. Parce que normalement, j'esquive tout et derrière, Broly va le terminer. Normalement. Normalement. Ok. Ça, c'est bon, ça. Oh, putain, cette mission de con. Tiens, dans ta race, mission de mort. Oh, putain. Mission de mort, quoi. Ah, putain. Oh, c'est bon, quoi. Oh, c'est bon. Oh, putain, je vais enfin pouvoir la faire, cette putain de vidéo. Ok. Oh putain. Oh, c'est tellement mérité, quoi. Putain.